des membres du bureau départemental. La Commission nationale d'investiture n'a encore pas rendu sa décision. Vraisemblablement, elle se positionnera courant septembre. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Donc, nous avons décidé de prendre cette décision, de lancer la campagne. Et les marcheurs, le département, représenté par Guillaume Gibouin, référent, Véronique, le comité politique, Véronique Reuton et l'ensemble des parlementaires ont décidé que j'étais la personne la plus à même de défendre le projet des marcheurs. Donc j'ai accepté cette proposition et je serai donc tête de liste. Nous souhaitons avoir une ville apaisée. J'insiste énormément, aujourd'hui Annecy et les Annéciens sont asphyxiés, au sens propre comme au sens figuré. Nous avons donc besoin de mettre un programme qui sera très fort en matière d'environnement, en matière de mobilité, en matière de logement mis à disposition pour les personnes pour lesquelles le coût de la vie à Annecy est beaucoup trop élevé, et aussi faire en sorte que les jeunes et nos jeunes enfants, les jeunes actifs, puissent vivre et continuer de vivre sur Annecy. 6 prochaines années...